Parce que nous devons prier encore. Et nous sommes dans Luc 23, nous allons essayer de lire rapidement les Écritures. Et je vais lire à partir du 44e verset jusqu'au 46e. Nous allons lire le même texte dans différents évangiles. Et s'il faut donner un thème ce matin, c'est vrai que personnellement, je n'ai pas trouvé où j'en ai trouvé plusieurs. Mais j'aimerais rester sur ce thème de Jésus-Christ prix de notre renouvellement, ce sous-thème. Jésus-Christ le prix de notre renouvellement. Et s'il y a un sous-thème du sous-thème, j'aimerais que tu notes, il y ait des ténèbres sur toute la terre. Des ténèbres sur toute la terre. Luc 23, 44, 46, la Bible dit ceci, il était déjà environ la sixième heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre. Jusqu'à la neuvième heure, le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par les milieux. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Les centeniers, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement, cet homme était juste. Je continue jusqu'au 49e, et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Alléluia. Amen. Je vais lire la même épisode, mais dans le livre de Matthieu.
Matthieu 27, 45 à 54. La Bible dit depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure. Une nuit de ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli Eli lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ont entendu dire, il l'appela Eli. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remit, qui remplit pardon de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. J'aime cette précision. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Et j'aime cette partie que Matthieu ajoute, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscités, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu les tremblements de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Amen. Je ferai une dernière portion encore. C'est dans Jean 19, verset 28. Là, pour ajouter encore quelques éléments à cet épisode. Jean 19, tout au maximum à Cambo. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, j'aime cela. Jésus qui savait, oui, ça y est, bah, tout. Que tout était déjà consommé, oui, c'est ça, la dit afin que l'écriture fût accomplie, je soif. Alléluia. Alors, dit pour ma commune, pour qui ça m'a dit, pour ça, j'ai soif. Il y avait un vase plein de vinaigre. Le soldat a rempli d'une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, pardon, il l'approchait de sa bouche. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. J'ai lu trois évangiles. J'ai sauté un expressement parce que sa version est très proche des autres que nous avons déjà lus. Et je constate dans ces trois parties, ces trois évangiles, qu'ils relatent tous la même épisode. Il y a des éléments importants. Que Dieu aimerait que nous puissions comprendre. Alors avant de donner mon exhortation de ce matin, je vais circonscrire d'abord le cadre de ces trois morceaux de l'évangile que nous avons lu, pour pouvoir mieux introduire ce que nous voulons dire. Alors dans ce texte, nous avons constaté ce que je puisse tirer comme passage, l'obscurité dans le monde, sur toute la terre. Luc dit, il était déjà environ la sixième heure et il eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. L'obscurité a couvert toute la terre. Et cela de la sixième heure à la neuvième heure. Routan à sixième heure, tu neuvième heure. C'est quelque chose qui a étonné le monde. Oh, comment ça t'est battu? C'est quelque chose peut-être qui était inhabituel. Et ça, bah, de voir qu'à ces heures-là,
l'obscurité puisse gagner du terrain. Mais en lisant les Écritures, nous comprenons même que la nature du monde, c'est l'obscurité. Et lorsque vous regardez dès la création du monde, vous allez comprendre que le monde a été créé des ténèbres. Dans Genèse chapitre 1er 1 à 2, la Bible dit ceci, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres, et la terre était informe et vide. Mais ce que j'aime bien aimé, c'est que c'est à partir de ces ténèbres, troisième verset, la Bible dit, Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. La première des actions de Dieu dans la création, c'est de dissiper les ténèbres qui existent, de faire venir la lumière. Lorsque la Bible dit Dieu dit à premier lieu, c'était d'appeler la lumière. C'est parce qu'il y avait besoin de lumière. Parce que les ténèbres étaient en train de planer, de régner. Il y avait ce besoin, bien-aimé. Et je prie ce matin que tous les ténèbres qu'il y a dans vos vies soient dissipées. Ma prière ce matin, et que dans le besoin et l'action de Dieu ce matin soit orientée pour appeler la lumière dans tes ténèbres et éclairer ta vie. Dieu dit que la lumière soit, et la Bible dit la lumière fut. C'était une des premières actions, parce que la nature du monde de sa création, c'était dans les ténèbres. Jean chapitre 1, verset 17, la Bible dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend en haut du Père des Lumières. Dieu ne pouvait pas opérer la création alors qu'il y avait encore les ténèbres. Parce que ce que Dieu était en train de faire devait être bon. Et même à la fin de la création, la Bible dit qu'il regardait et trouvait que c'était très bon. Et comme tout ce qui est bon, tout ce qui est excellent, ne peut venir que du Père de lumière. Il fallait dissiper la lumière. Il fallait faire disparaître l'obscurité. Il fallait faire disparaître l'obscurité. Il fallait que la lumière vienne. Pour que ce qui est bon puisse être créé. Pour que ce qui est bon puisse être façonné. C'est parce que dans la création, tout ce qui était créé était bon. Aux yeux de Dieu, c'était bon. Et à combien plus forte raison pour nous, c'est bon. Je prie le Seigneur ce matin que sa lumière plane sur toi, pour que tu bénéficies de toute grâce excellente. Et que tout ton parfait soit ton partage ce matin. Dieu ne sait pas faire ce qui est mauvais. Voilà pourquoi il travaille dans la lumière. J'aimerais te dire que toute action de Dieu orientée dans ta vie, c'est des actions de lumière. C'est des actions de grâce excellente. C'est des dons parfaits. Des dons qui enrichissent. Des dons qui font du bien. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu ressens une part de ténèbres, tu as besoin de l'action de Dieu ce matin. Tu as besoin de l'action de Dieu ce matin pour dissiper les ténèbres dans ta vie, pour dissiper le fou dans ta vie, pour dissiper ce qui est mauvais dans ta vie. J'aime le passage d'Ésaïe 9, 1 à 4. La Bible dit ceci, mais les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la
terre. Amen. Les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre. Il dit où? Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Les ténèbres ne vont pas régner là où il y a de l'angoisse. Ils ne vont pas continuer à régner sur la terre. C'est les ténèbres qui règnent sur la terre. Installer de l'angoisse. Les ténèbres t'amènent dans l'angoisse. Si le temps passé ont couvert d'opprobre le pays, le pays de Neftali. Si le temps passé couvert d'opprobre, le temps passé dans les ténèbres, le temps d'opprobre, si ce temps passé en couvert d'opprobre, les temps venus couvriront de gloire. Là où il y a les ténèbres, l'opprobre couvre. L'angoisse règne. Les ténèbres n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. C'est synonyme d'angoisse. C'est synonyme d'opprobre. Et verset 2 dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur qui habitait le pays de l'ombre de la mort. Les ténèbres te couvrent de l'ombre de la mort. Mais bien aimé, gloire au Seigneur. Parce que là où il y a les ténèbres, la lumière peut venir. Sur la parole du Créateur. Là où il y a de l'opprobre, oui, la gloire peut venir. Là où il y a de l'angoisse, la paix peut venir. C'est lui que le Créateur dit un mot. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que Dieu m'a envoyé te dire. Il veut te sortir de l'opprobre. Il veut te sortir de la mort. Il est le prix de ton renouvellement. Il est le prix de ta gloire. Il suffit qu'un mot soit dit ce matin. Et il va le faire ce matin pour toi. Les ténèbres ne sont pas de bonnes choses. C'est pas une bonne chose, bien-aimé. Esaïe 59, verset 9. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière. Et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. L'obscurité. Le lili. L'obscurité, le manque de clarté, c'est pas une bonne chose. Le salut est loin, l'arrêt du salut est loin. Le but est dans aussi pas. Et nous ne voyons que l'obscurité. Job 30, verset 26, la Bible dit, j'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Amen. Vous savez, lorsque vous vous attendez à la lumière, vous êtes dans la confusion totale. Vous êtes perdu. Lorsque vous avez une lueur d'espoir, et à la place, vous voyez toute la lumière disparaître. Dans l'obscurité totale. Dans l'obscurité totale. La Bible dit qu'il y eut des ténèbres sur toute la terre. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Jean 12, 35, la Bible dit ceci. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Je savais pas les angles. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Même Jésus est en train de conseiller aux disciples. On a dit que ça peut être surpris par les ténèbres. Marchez alors que la lumière est encore au milieu. Marchez alors que je suis encore au milieu. Apprenez à marcher dans les lumières. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va.
Dans les ténèbres, on est d'avance perdu. Parce que celui qui ne sait où il va, c'est quelle direction prendre. Il est déjà perdu. Il est déjà perdu. Les ténèbres, bien-aimés, c'est ces ténèbres que nous pouvons voir comme ça. Et c'est cette ténèbre qui peut gagner notre âme, qui peut gagner notre esprit. Romains 1, 21. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Jésus est venu faire connaître Dieu. Ils ont connu mais n'ont pas reconnu comme Dieu. Ils n'ont pas rendu grâce. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Amen. Ton cœur peut être plongé dans les ténèbres. Ton esprit peut être plongé dans les ténèbres. Tes yeux peuvent être plongés dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne sont pas une bonne chose. Mais Dieu qui a tiré, qui a créé le monde des ténèbres, en apportant la lumière, a vu l'homme replonger ce monde dans les ténèbres. Il a vu l'homme en cédant face au péché dans le jardin d'Éden. Et mieux encore, il a vu l'homme rejetant celui qui était la lumière du monde. Alors que le souci de Dieu, c'est de remettre ce monde dans la lumière. Mais nous avons rejeté la lumière. Parce que moi qui s'y polé. Nous avons rejeté celui qui est venu apporter la lumière. Ephésiens 5, 6 à 14, la Bible dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Amen. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Le monde est replongé dans les ténèbres. Et les hommes qui y sont, ce sont des hommes de ténèbres. Pour lesquels Dieu nous dit de ne pas avoir part au milieu d'eux. Nous de nous extirper de ce monde de ténèbres. Et de vivre dans la lumière. De vivre comme des enfants de la lumière. Jésus est cette lumière. Il est venu nous replonger dans la lumière. Parce que nous avons amené nos vies et ce monde à l'obscurité par nos agissements. C'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas prendre part, mais de condamner les œuvres fructueuses des ténèbres. En tant qu'enfant de lumière, nous devons condamner les œuvres des ténèbres. Parce que les ténèbres n'est pas une bonne chose. J'aime comment cette portion d'écriture se termine. Verset 13. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pas ça la fatalité. Les ténèbres. Maintenant, le problème, c'est que nous avons Christ qui éclaire. Si le monde veut conserver son caractère obscur, nous avons Christ qui éclaire. Et le travail que Christ a fait, c'est nous enlever du royaume de ténèbres et nous amener dans le royaume de Père de lumière. Il nous a amené dans le royaume de Père de lumière. Il a dire ce matin, même si le monde décide de conserver les ténèbres, mais toi tu bénéficies de la lumière de Christ. On comprend inévitablement que Christ est la lumière de ce monde.
Christ n'est allé pour les rochers. Jean 8, verset 12, il dit lui-même. Alors, il dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière qui éclaire le monde. Je suis la lumière du monde. Ce matin, je suis venu te dire que à cause de la lumière du monde, tu verras clair dans ta vie. Peu importe les ténèbres qui couvrent la terre, à cause de la lumière du monde, tu verras clair dans ta vie. J'aime comment on qualifie sa lumière. Un neuf. Vous, au contraire, vous êtes une race des élus, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui que vous appelez des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Alléluia. Amen. Des ténèbres à son admirable lumière. Tu as été appelé du ténèbre à l'admirable lumière du Seigneur. Pourquoi ce matin, bien-aimé, j'aimerais te dire que les ténèbres ne vont pas régner dans ta vie. Il doit laisser place à l'admirable lumière. Cette lumière que tout le monde doit admirer. Cette lumière que tout le monde doit contempler. À l'admirable lumière. Napoléon et Amalam Koleka. Jean chapitre 1er, 5 à 12. Jean 1, 5 à 12. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière a cette capacité de briller, de luire dans les ténèbres. La Bible dit, il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il va pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Jean, son rôle, c'était de rendre témoignage de la lumière. Parce qu'il savait qu'après lui, la lumière était venue. La lumière venait d'après lui. Ce matin, je te dis que la lumière est déjà là. La lumière est déjà là. Cette lumière éclairera ta vie. Cette lumière éclaire ta vie. Verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La lumière, c'était d'éclairer tout homme. L'objectif de Jésus ce matin, c'est d'éclairer ta vie. L'objectif ce matin, c'est d'éclairer ta vie. Alors que nous serons en train de prier tout à l'heure, je suis en train de prier dans mon esprit. Que tu voyes de plus en plus clair. Et là où tu voyais flou, les choses s'éclaircissent. L'objectif, c'est d'éclairer tout homme. Mais bien aimé, à la croix, l'homme a choisi de crucifier la lumière. L'homme a choisi de crucifier la lumière. Et ça m'étonne qu'il soit surpris. Et comme Singaï, qui ait les ténèbres sur toute la terre. Ça m'étonne qu'il soit surpris. Et comme ça, mon toit, comme Alissou, qui ait des ténèbres sur toute la terre. Alors que vous avez choisi vous-même de crucifier. L'homme, malgré les insistances de Pilate, l'homme a choisi de crucifier la mort. Luc 23, 44, il était déjà environ la sixième heure, il eut des ténèbres sur toute la terre. Amen. Pourquoi l'homme est surpris de voir les ténèbres? Alors que la lumière a été mise à mort, la lumière a été rejetée par l'homme. Les historiens, lorsqu'ils interprètent cette portion des Écritures, ils disent qu'il s'agit d'une pure coïncidence. Il s'agit surtout de l'historien Talus. Il dit que c'était tout simplement la mort de Jésus, une éclipse solaire.
C'était une coïncidence. Heureusement qu'il y a un autre historien qui allait fouiller. Qui a compris une chose. Il s'agit de Jules, l'Africain, historien chrétien. Il a compris que l'éclipse n'est possible que dans la nouvelle lune. Alors que Christ a été crucifié pendant la Pâque, qui a toujours lieu au moment de l'éclipse. Donc scientifiquement, on ne peut pas expliquer l'éclipse à ce moment. On ne peut pas expliquer la présence de l'obscurité à ce moment. Il peut donc s'agir que d'un miracle et non d'une coïncidence. Il doit donc s'agir sûrement de quelque chose que Dieu voulait. Et non pas d'une coïncidence, pire coïncidence. Ce matin, j'aimerais vous partager ce qui se passe lorsque les ténèbres couvrent ta vie. Ce qui se passe lorsque les ténèbres gagnent dans ta vie. En quelques mots, je vais parler, nous allons prier. Le monde a crucifié la lumière et les ténèbres arrivent. Il y a eu des réactions de diverses personnes. Mais ce qui m'intéresse, c'est la première chose dans Luc 23, 44 et 46. La Bible dit ceci. Il était déjà environ la sixième heure et nuit des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Il est dit. Le verset 45 dit, le soleil s'obscurcit. La première des choses, le soleil s'est obscurci. Le soleil était là. Mais le soleil avait perdu sa capacité de briller. Le soleil était présent. Mais le soleil s'obscurcit. Le soleil ne s'est plus éclairé. Le soleil ne s'est plus donné la lumière. Bien aimé, il peut arriver par moment dans ta vie. Tu as Jésus-Christ. Tu as l'impression que ça ne brille plus dans ta vie. Tu as l'impression que ça ne brille plus dans ta vie. Tu as l'impression que Christ est là, mais la lumière ne s'est plus éclairée. Tu as l'impression que la lumière est là, mais on ne sait plus admirer la lumière. On ne sait même plus constater la lumière. La lumière, le soleil s'est obscurci. Et Jésus-Christ qui était crucifié a commencé à parler. Comme la précision qui est ajoutée dans Matthieu, on dit quelques-uns qui étaient là l'ont entendu dire appeler Élie. Tellement ils étaient dans l'obscurité, les choses n'étaient plus claires. Ils ont dit sûrement il est en train d'appeler à l'aide. Sûrement il est en train d'appeler à l'aide. Jusqu'à ce qu'on allait même lui donner à boire. Et d'autres pouvaient dire, laissons voir si Élie va venir le sauver. Vous savez bien, lorsque les ténèbres arrivent, il y a des interprétations de tout genre. Les gens disent ce qui leur semble bon de dire. Les gens s'expriment comme ils veulent s'exprimer. C'est tout simplement parce qu'il y a des ténèbres. C'est tout simplement parce qu'il y a la confusion. Ils ont pensé que Jésus appelé Élie. Ils se sont dit sûrement il appelle Élie. Laisse les gens penser ce qu'ils sont en train de penser. Laisse les gens dire ce qu'ils sont en train de dire. C'est normal, c'est parce qu'il y a du ténèbre. C'est parce qu'il y a du flou. Mais ce que j'aime avec le soleil. Le soleil qui se couche. Finit par se lever. Alléluia. Le soleil ne se couche jamais éternellement. C'est qu'un soleil qui se couche. Il va se lever tôt.
Et le matin, comme une étoile brillante du matin, le matin semble voir comme une lumière. Toi qui es dans les ténèbres, qui les gens peuvent se permettre de croire ou de comprendre que ce qu'ils veulent comprendre. Je me dis que ton soleil sera en train de se lever à un certain moment. Ton soleil sera en train de se lever à un certain moment. L'étoile brillante du matin en train de se lever. Il se lève tôt le matin. C'est pourquoi dit les ténèbres ne régneront pas à toujours. Laisse le temps des ténèbres faire son temps. Mais la lumière est en train de venir. La lumière est en train de venir. Et le psalmiste avait cette révélation dans le psaume 113. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Amen. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Le nom de l'Éternel. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Va continuer à être béni. Parce que le soleil qui se couche prend rendez-vous avec toi dans les jours nouveaux. Afin de se lever dans ta vie. Afin de se lever dans ta vie. C'est pourquoi n'arrête pas de bénir l'Éternel. Le soleil en train de se coucher. Mais quand tu vois le soleil en train de partir, la Bible dit que les ténèbres couvraient. Ils ont vu l'obscurité. Ils se sont mis à parler. Ils ont dit sûrement il est désemparé. Même si les hommes pensent que tu es désemparé, c'est juste le soleil qui se couche. Il va se lever. Il va se lever. L'étoile du matin va se lever. Et j'aimerais te dire, ce n'est que dans les ténèbres que l'on peut bien percevoir la grandeur de la lumière. Ce n'est que dans l'obscurité qu'on peut percevoir la dimension de la lumière. Je me rappelle encore quand je devais me marier. Et par mon caractère déjà, je ne compte sur personne. Alléluia. Alors qu'on voulait se marier, je ne comptais ni sur la famille, ni sur les parents, ni sur les pareil, ni je ne sais sur qui. Mais à certains moments, j'ai constaté par moi-même que j'étais limité. Je n'avais plus de ressources. Je suis tombé dans les ténèbres. Lorsque tu fixes les dates, tu fais tout, tu dis oui, je suis capable. Et surtout quand tu ajoutes par la foi, les gens commencent à t'observer pour dire total à Osukawa. Alléluia. Amen. Mais je bénis Dieu parce que dans cette ténèbre, j'ai reçu une brèche. J'ai reçu une ouverture. Je suis allé enseigner quelque part. Et où j'ai été payé exactement le montant qui me manquait. Depuis que j'ai enseigné dans cet endroit-là, je ne suis plus jamais rentré enseigner là-bas. J'ai compris que si j'étais allé là-bas, c'est parce que Dieu voulait me sortir de cette ténèbre. J'aimerais te lire. C'est dans les ténèbres que tu verras la lumière de Dieu. Que tu apprécieras la grandeur de la lumière. C'est dans cette ténèbre que tu te trouves. Et tu seras en train de voir les choses arriver. Le monde n'était pas en train de comprendre l'essence de la lumière ce jour-là. Le monde avait mal interprété le sens du ténèbre. Les ténèbres qui couvraient le monde. Ils n'ont pas su comprendre ce qui s'est passé réellement. Esaïe 9, verset 1er dit, le peuple qui marche dans la nuit voit une grande de lumière. Et grande lumière. Le monde devait voir une grande lumière. Mais le monde a vu quelqu'un abandonné qui était sur sa fin. Quelqu'un qui était sur sa fin. J'aimerais te dire ceci. Dans le moment des ténèbres, tu quittes la dimension du général.
Tu entres dans la dimension du particulier. Le monde ne comprenait pas. Jésus étant crucifié sur la croix. Ce n'était plus le temps de parler du général. C'était le temps de parler de ceux qui devaient choisir le crucifié. On quitte le général, le salut général d'Israël. On entre dans le salut par Jésus-Christ. Par celui qui est crucifié sur la croix. C'est pourquoi dès cet instant, tout celui qui reconnaissait celui qui était crucifié comme son Seigneur et Sauveur pouvait voir encore de la lumière malgré les ténèbres. C'est pourquoi la Bible disait déjà dans Esaïe 60 verset 2, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi la gloire apparaît. Amen. Lorsque tu vois l'obscurité couvrir la terre, cherche la lumière. Parce que sur toi seulement, sur toi personnellement, la lumière va briller. C'est pourquoi la Bible dit lève-toi. Il est temps que ta lumière brille. Parce que les ténèbres ont été découvrir partout. Il est temps que ta lumière brille. Parce que les ténèbres ont été découvrir partout. Et j'aime le troisième verset. Dit, des nations marcheront à ta lumière et des rois seront éclairés par ton rayon. Amen. J'aimerais te dire, bien-aimé, quand tout devient flou, sois éclairé. Dans ta famille, il y a l'obscurité. Vois la lumière du Seigneur. Parce que la lumière viendra de toi. Les nations vont voir la lumière à travers toi. Le roi sera éclairé par la lumière au travers de toi. Dieu a fait cesser la dimension générale. Il a introduit les hommes dans la dimension où la lumière devait passer par les hommes à travers toi. C'est pourquoi nous sommes dans le temps bien-aimé. Même quand tout va mal, rien ne va. Sache que Dieu est fils de lumière. Tu vas apporter la lumière. Partout où tu arrives, ne crains pas les ténèbres. Fais que les rayons viennent à travers toi. Que la lumière arrive parce que tu es là. Que la lumière vienne parce que ta présence est là. C'est pourquoi la Bible dit les temples furent déchirés. Et les temples déchirés te font entrer dans la dimension de la gloire. Dieu fait accéder tout celui qui croit en Jésus-Christ dans la dimension de la gloire. C'est pourquoi j'aimerais te dire, arrête avec le Dieu de général. Cherche ton Dieu à toi. Arrête avec le Dieu du général. Cherche ton Dieu à toi. Il faut que tu dis, c'est le Dieu de Patrick. C'est le Dieu de Alpha. C'est le Dieu de qui, de ce que tu veux. Il est temps que tu entres dans la dimension de gloire. Parce que les ténèbres sont en train de couvrir. Les ténèbres sont en train de couvrir. Les hommes n'ont pas compris. Le temple s'est déchiré. Le voile s'est déchiré. La présence du ténèbre n'arrête pas ce que Dieu est en train de faire. Ce n'est pas parce que tu sens la confusion que Dieu a cessé de faire. Matthieu a ajouté une précision que Luc n'a pas dit. Luc dit tout simplement que le voile s'est déchiré. Mais lui dit du haut en bas. Le voile s'est déchiré de haut en bas. Pour montrer que dans ce temps, Dieu était en train encore de travailler. Il y a quelqu'un qui pouvait déchirer le vol de l'ombre. Malgré les ténèbres, Dieu agit encore. C'est la lumière qui est capable d'agir dans les ténèbres. C'est pourquoi il n'a pas hésité. Lorsqu'on cherchait qui envoyait dans ce monde, rempli d'obscurité, il a dit, mais voici, envoie-moi. Parce qu'il savait qu'il est la lumière. Et il est capable d'éclairer le monde. J'aimerais te dire, Dieu est capable d'éclairer ta vie. Jésus est capable d'éclairer. Et de dissiper la lumière. La lumière vient pour dissiper.
Pendant ce temps d'obscurité, il n'y a que des hommes spirituels. On peut voir ce qui se passe réellement. J'aime cet exemple d'Étienne. Dans Actes chapitre 7. Dans Acte 7. La Bible nous montre alors qu'il a parlé. Les cœurs des hommes se sont enflammés pour s'attaquer à lui. Mais lorsqu'il a levé les yeux, la Bible dit qu'il a vu le Seigneur debout. Il a vu le Seigneur debout. Ne regarde pas l'obscurité. Regarde plutôt la position du Seigneur. Le Seigneur est debout. Pendant que tu es en train de te poser des questions, le Seigneur est debout sur son trône. La Bible dit qu'il a fermé ses oreilles. Je vous dis, je m'en fous de tout ce que vous pouvez dire. Je m'en fous de tout ce que vous pouvez penser. Il a fermé les oreilles. Et il a poussé un cri. Vers celui qui l'a vu lever sur le trône. J'aimerais te dire, celui qui est sur le trône, attends que tu pousses un cri, tu ne sentiras plus les pierres des hommes. Tu ne sentiras plus la colère des hommes. Tu ne sentiras plus la méchanceté des hommes. Parce qu'il est levé pendant l'obscurité. Il est debout, il est debout. Et lorsqu'il y a eu obscurité, la gloire s'est. Le temple s'est déchiré. Comme je disais, le voile déchiré, c'est la dimension de la gloire. C'est la dimension de la gloire. C'est ce que j'aime dans cette dimension. On n'a plus besoin du soleil. On n'a plus besoin de la lune. C'est l'Éternel lui-même qui nous éclaire. Lorsque tu rentres dans cette dimension, le soleil n'a pas son sens. La lune ne perd son sens. Seul le Seigneur t'éclaire. La Bible dit dans Apocalypse 21, verset 23. La Bible, la ville n'a pas besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclairera. Amen. L'agneau est son flambeau. Amen. Dans cette dimension. Peu importe que les gens t'enfoncent dans l'obscurité. C'est l'agneau de Dieu qui devient ton flambeau. C'est la gloire de Dieu qui t'éclaire. C'est la gloire de Dieu qui t'éclaire. Laisse les hommes t'enfoncer pendant que tu as. C'est le flambeau, l'agneau de Dieu qui va t'éclairer. Et c'est ce qui s'est passé dans Joël 2:28 ou Joël 3:1 en fonction de l'Éternel. La Bible dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Même sur les serviteurs et les servants dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ça, c'est la gloire qui est en train de venir. Ça, c'est le voile qui est en train de se déchirer. Et ce que j'aime, la Bible dit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux. Et sur la terre. Je fais apparaître des prodiges dans les cieux. Et sur la terre. Du sang et du feu. De la colonne de fumée. Le soleil se changera en ténèbres. Et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Amen. Bien-aimé. Oui, les gens sont en train de voir la fin à cause du ténèbre qui te couvre. Je voudrais te dire que le Seigneur est en train de voir son jour arriver. Avant le jour de l'arrivée du grand jour de l'éternel, le soleil va se changer en ténèbres. Les gens ne comprendront pas. C'est parce que le Saint-Esprit est en train d'entrer en jeu. Le Saint-Esprit entre en jeu. Lorsqu'on voit ces choses arriver, il m'a dit de ce grand jour est terrible. Comment on a mon des choses terribles qui doivent arriver dans ta vie. Ça doit garder le caractère exclusif du Seigneur. Ce jour-là, le ténèbre qui était arrivé, n'était pas une coïncidence. Parce que le Christ ne pouvait pas arriver dans ces conditions-là. Et la seule possibilité,
c'était que Dieu seul ait permis que les ténèbres arrivent. Ne cherche pas à condamner les hommes pour ce qui t'arrive. Laisse Dieu arriver au bout de ce qu'il est en train de faire. Jour arrive, le jour de l'étonnement. Il y a autre chose. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. La terre a tremblé. Les sépulcres se sont ouverts. Les rochers se sont fendus. Il a été crucifié. Le psaume 18 dit ceci, versets 4 à 9. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Ah, j'aime cela. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les liens du sépulcre. Les liens qui ont tendance à t'amener à la mort. Les liens que posent tes ennemis. Les liens de la mort qui t'environnent. Torrent de la destruction. Vous savez, les tourbanga, c'est de l'eau qui coule avec une vitesse forte et qui lui confère une certaine force. Et lorsqu'on parle du torrent de la destruction, c'est un torrent dévastateur qui ne laisse rien dans ta vie, qui emporte tout ce qui est dans ta vie. Tu peux même enlever les roches, les amener ailleurs dans ta vie. Il dit que ce torrent-là l'a environné. Le filet de la mort m'avait surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Amen. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Regardez ce que dit le verset 8. La terre fut ébranlée. J'aimerais te dire, lorsque tu cries au Seigneur, lorsque le temps du Seigneur arrive, la terre commence par être ébranlée. La terre tremble. Le fondement des montagnes frémit. Les hommes s'attelaient à crucifier la lumière. Ce qui s'est passé réellement, c'était la dimension de la délivrance. La dimension de la puissance. La terre était en train de trembler. La terre était en train de trembler. Les roches étaient en train de s'ouvrir. J'aimerais te dire que si le voile était la dimension de la gloire, si le voile représentait la dimension de la gloire, j'aimerais te dire que la terre qui tremble représente la dimension de la puissance de Dieu. Pendant le moment d'obscurité, je suis en train de sentir les terres de ta vie en train de trembler, les rochers de ta vie en train de trembler. Parce qu'il faut que la terre tremble et que les rochers se fendent pour que l'eau du rocher puisse jaillir. Je suis en train de dire à quelqu'un que Jésus-Christ est en train de fendre les rochers pour que le fleuve de vivre coule dans ta vie. Peu importe ce qui te retenait, que ce soit les liens de la mort, les liens de la famille, les liens de je ne sais quoi, le psalmiste a dit, j'ai crié à l'Éternel, la terre a tremblé, les rochers ont frémi. Je suis en train de dire que les rochers vont frémir, parce que pendant ton obscurité, le Seigneur t'a introduit dans la dimension de la puissance, dans la dimension de la puissance. Ou bien
bien-aimé, le mort qui était mort avant Christ, sont sortis. La Bible dit que le corps des saints, les saints étaient allés au tombeau. Et qu'on t'a fait précéder avant Christ. Parce que Christ est en train de venir. Il va faire le sens contraire. Christ a accepté d'aller au tombeau. Parce qu'il y avait ceux qui étaient envoyés très tôt au tombeau. On t'a envoyé très tôt au chômage. Laisse Christ venir dans cette affaire. Laisse Christ venir dans cette affaire. En venant dans cette affaire, tu feras le sens contraire. Imaginez les gens que vous avez vu mort. Vous avez enterrés. Il a dit qu'ils sont revenus. Ils sont entrés dans la ville sainte. Ils se sont présentés à certaines personnes. J'aimerais te dire les gens qui t'ont éliminé avant le temps. Le match est à rejouer avec Jésus-Christ. Le match est à rejouer avant Jésus-Christ. Ils t'ont envoyé au tombeau très tôt. Ils t'ont envoyé au chômage très tôt. Ils t'ont envoyé dans le désespoir très tôt. On a envoyé Lazare au tombeau alors qu'il dormait encore. Laisse Jésus venir. Quand Jésus viendra, tu sauras réellement le sens que tu dois prendre. Laisse-nous la lumière qui t'éclaire. Laisse-nous la lumière qui t'éclaire. Le match a été réjoué. Parce que Christ est allé à la croix. Christ a été plongé. Une chose encore. Le Moussoussou. On nous dit dans Jean qu'il a crié « Tout est accompli ». Il a crié « Tout est accompli ». Tout est accompli. La totalité. C'est-à-dire qu'il ne reste plus rien. Il n'y a plus rien qui doit être fait. La totalité des choses. Ce matin, j'aimerais te dire que tout a été fait pour que tu sois dans la gloire. Tout a été fait. L'obscurité a gagné 3 heures. Les gens ne savaient pas que le chiffre 3, c'est le chiffre de la totalité. Le chiffre 3, c'est le chiffre du passé, du présent et du futur. Les alliés, il fallait qu'il y ait un homme de 30 ans. Même si c'était pour faire 3 ans de ministère, qui vient faire 3 ans de ministère, pour que toi tu puisses vivre dans la gloire. Il a été crucifié sur la croix pendant les 3 heures d'obscurité. Tout était en train d'être fait pour ta vie. Tout était en train d'être fait pour ta vie. C'est pourquoi ceux qui regardaient Jésus pendant ce temps devaient comprendre une chose. Et je ne peux plus rester dans l'angoisse. Parce que celui qui est resté 3 heures sur la croix, dans cette obscurité, a porté mes angoisses. Il a porté ma honte. Il est resté dans cette obscurité. Et moi, je suis libre. La dimension de la plénitude. Il a fallu 3 fils de Noé pour représenter la totalité de la descendance. Il a fallu que Pierre réunit le Seigneur 3 fois pour montrer l'ensemble de péché que Pierre. Et il a fallu que l'Éternel porte notre honte sur la croix. J'aimerais te dire, tout a été fait. Christ a été tenté 3 fois. Vous montrez tout ce que Christ, le diable voulait l'infliger, mais il a vaincu. Sur la croix, il a vaincu. Dans ce 3 heures d'obscurité, il a vaincu. Il n'a plus raison d'être dans l'opprobre. Tu n'as plus raison de rester dans l'angoisse. Lorsqu'il y a l'obscurité dans ta vie, il y a l'obscurité que mon maître est déjà resté 3 heures dans cette obscurité. L'obscurité n'a plus droit dans mon vie. La totalité de temps obscur, Jésus l'a passé à la croix. La totalité de temps obscur, Jésus l'a passé à la croix. Jésus a passé le temps dans la lumière. La lumière a éclairé ma vie. Que faire? J'aimais quelques réactions pendant ce temps. Je vais arrêter, nous allons prier. La Bible parle de ceux qui connaissaient Jésus. Elle regardait de loin.
Le spectacle, regardez ce qui s'est passé. La Bible parle de certaines personnes qui étaient là. Là, ils ont vu cela, ils ont frappé la poitrine. Mais il y a une catégorie que j'ai aimée. Luc 47. La Bible dit, le centenier voyant ce qui était arrivé. Avec tout ce qu'il entourait, qu'est-ce qu'il a fait? Il glorifia Dieu. Et dit, certainement cet homme était juste. Lorsque tu sens l'obscurité dans ta vie, ce qu'il a à faire, c'est de glorifier Dieu. Renforcer ta confiance en cet homme. Certainement Dieu est Dieu. Certainement Dieu, les gens n'ont pas compris que c'était l'attitude de Job. Quand rien ne marchait dans la vie, alors que les gens voyaient que le malheur, tout ce qu'il faisait, il glorifiait Dieu. Et il disait, certainement mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Arrête de t'agiter, mets-toi à glorifier l'éternel. Arrête de t'agiter, mets-toi à glorifier. Toi, monsieur le Seigneur, glorifie l'éternel. Avancé. La Bible dit dans Romains 13, 12, la nuit est avancée. Nous devons marcher dans la lumière. Glorifier Dieu, c'est élever le trône du Seigneur. Glorifier Dieu, c'est aussi enlever les mauvaises choses. Glorifier Dieu, c'est extirper les œuvres du ténèbres. Je voudrais te dire, Dieu reste Dieu. Et le soleil se lève. Et le soleil se couche. Dieu reste Dieu dans ta vie. Il va se lever parce qu'il est le soleil qui se lève le matin comme cette étoile brillante du matin. Lève-toi maintenant, je vais te dire quelque chose. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Alors que j'étais en train de préparer ce culte, j'ai senti le Seigneur me dire, dans la confusion, je suis celui qui peut briller. J'ai senti le Seigneur me dire, dans l'obscurité, je suis sur la lumière qui va sortir. Si tu es présent ce matin, et que tu sens que l'obscurité est en train de gagner le terrain, c'est ton jour ce matin. La lumière à Paris. La lumière à Paris. Pour éclairer tout homme. La lumière à Paris. Pour éclairer tout homme. Sans exception. Tout homme est éclairé de Dieu. Ce matin, tu dois être éclairé par le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il me fait du soleil à son couchant. Que son nom soit glorifié. Commence à glorifier le nom de l'Éternel. Et tu glorifies le nom du Seigneur. Glorifie le nom du Seigneur. Glorifie le nom du Seigneur. Glorifie le nom du Seigneur. Avant que tu seras très bien glorifié, je vais te dire les choses qui vont se passer. Le temple de ta vie, Dieu va te produire dans une nouvelle dimension. Il va te produire dans la dimension de la gloire. Il va être produit dans la dimension de la puissance. Il va être produit dans la dimension de la puissance. Ce qui a été enterré très tôt dans ta vie, les sépulcres vont souffrir. Les sépulcres vont souffrir ce matin. Les sépulcres vont souffrir. Pour glorifier d'abord le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Les sépulcres vont souffrir. Yeah.
Je suis un homme, 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 je suis un homme
Saint-Denis et tu avances tout simplement.